Ce qui compte, c'est effectivement l'agir, savoir pour agir autrement. C'est ainsi que nous avons intitulé en commun ce nouveau Café Philo. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre ? Parce que nous sommes en crise. En crise non seulement écologique, économique, mais aussi sanitaire. Et une guerre est à nos portes. Socrate aussi a connu une société en crise. Une guerre civile même. Il était soldat avant de se mettre à philosopher avec la jeunesse de la Grèce antique, d'Athènes, les Athéniens. Autre raison pourquoi ce titre, c'est que nous préférons aux philosophes académiciens qui chacun a et enfin, cible sa spécialité un peu barricadée, les philosophes engagés dans les affaires de la cité. Justement, à l'image de Socrate, de Canguilhem aussi, ancien résistant, Gilles Deleuze, Michel Foucault, ou Jacques Derrida, qui a aidé le jeune Bernard Stiegler à écrire sa thèse sur la technique et le temps en sortant de prison. Alors, pourquoi la prison ? Je vous donne tous ces détails pour que vous compreniez ce qu'il y aura dit dans cette vidéo. Donc, des détails bibliographiques. Donc, Bernard Stiegler est né le 1er avril 1952. Il a disparu le 6 août 2020, il y a 2 ans. Et quand il était donc jeune, il a cumulé beaucoup de petits boulots avant d'avoir des succès avec un bar où il faisait venir de bons musiciens de jazz tous les soirs. Mais il se trouve qu'un jour, on y a découvert un trafic de drogue. C'était dans l'ère du temps des années 70, donc l'après 68. Lui, voulait nier tout ça, mais la police ne plaisantait pas. Comme il refusait de dénoncer les trafiquants qui étaient en même temps ses copains et clients, on a voulu, bien sûr, lui retirer sa licence et fermer le bar tout court, alors qu'il marchait du tonnerre. Sur un coup de tête, et par révolte contre ce qu'il considérait comme une injustice, Bernard Stiegler décide de braquer une banque, la sienne d'abord, et puis, comme c'était facile apparemment, les autres, 4 autres ensuite. Donc au 5e braquage, il est arrêté et condamné à 8 ans de prison, dont il ne fera que 5 ans, pour bonne conduite. Dans un livre écrit en 2003, il analyse ce passage à l'acte. Le livre s'appelle « Le passage à l'acte » qui aurait pu détruire sa vie, mais qui justement le fait bifurquer et devenir philosophe international. Ce philosophe internationalement connu, auteur de bien plus de 40 livres et surtout philosophe engagé dans la cité, lui qui n'avait même pas le bac. En fait, très jeune, alors pourquoi il n'avait pas le bac ? Très jeune, il était devenu père, un très jeune père qui s'est quand même engagé de faire vivre sa famille. Donc d'abord, il a vécu dans des petits boulots dans l'agriculture et autres, jusqu'à finalement reprendre ce bar-restaurant qui avait un vrai succès. Nous passons à la prison parce que c'est de ça qu'il va parler dans cette vidéo. En prison, il fait comme une conversion. Il décide de devenir un autre. Le mot « racheter », c'est pas trop fort. Racheter peut-être sa faute envers la société à laquelle il tenait. Grâce à ses parents d'ailleurs, sa mère était sténodactylo et son père ouvrier d'abord en mécanique et puis
Il s'est formé pour travailler à la télévision. Donc, il décide d'abord de rattraper son baccalauréat par des cours à distance. Et pour cela, il lui faut être seul et au silence, dans une cellule seule. Il fait une grève de la faim. Il est mis au mitard et tout pour obtenir une cellule à lui tout seul. Il l'obtient par obstination et il commence à travailler vraiment comme un asset avec une discipline de fer. Et évidemment, il n'est pas tout seul parce que par chance, il y a eu un professeur de philosophie dans son environnement proche qui fréquentait ce fameux bar de jazz, et il s'appelle Gérard Granel, et qui lui a promis de l'aider en prison. C'est un ami en quelque sorte. Il lui a fait passer tous les livres qu'il réclame au fur et à mesure de ses études, d'abord en littérature, parce qu'il était féru en littérature, grâce à sa mère qui lisait beaucoup, et qui a beaucoup, enfant de 6 frères d'ailleurs, elle a beaucoup veillé à ce que tout le monde lise, et lui en particulier. Voilà. Donc de Mallarmé à Paul Valéry ou Rimbaud, il s'est fait passer ses premiers livres, puis de passer à la linguistique, parce qu'au départ, il voulait devenir linguiste. Et donc la linguistique avec Saussure, donc Saussure était après la... après Rimbaud et Valéry, sa lecture privilégiée. Ensuite, l'anthropologie avec Leroy Gourand et la psychanalyse avec Freud. Mais Freud, qu'il a lu comme un philosophe. Ensuite, il y avait la découverte de la phénoménologie, donc ce courant de la philosophie. Le premier, je crois, était Edmund Husserl. Et Edmund Husserl... Son livre sur la vérité et la phénoménologie l'a complètement séduit. Enfin, Deleuze et Guattari, le psychanalyste, Foucault et Derrida. Il s'impose une discipline de fer et mène une vie ascétique et minutée. Et c'est de ça voilà, qu'il va être question. Parce qu'il explique comment vous êtes... Oui, il répond à la question comment vous êtes devenu philosophe. Et voilà. Il vous l'expliquera comment il a travaillé. Je vais maintenant quand même résumer les grandes étapes de sa vie de philosophe engagé. D'abord, il a de l'énergie à revendre. Et c'est comme s'il devait rattraper ou réparer des choses. En sortant des prisons, il écrit donc sa thèse avec Derrida, qui déjà, pendant son séjour en prison, a accepté de devenir son directeur de thèse. Et j'avais dit, je crois, le thème de sa thèse, qui était la technique et le temps. Elle était publiée, si ma mémoire ne me trompe pas, en 2001. Il devient, donc en sortant des prisons et ayant écrit sa thèse, ultérieurement directeur adjoint des institutions aussi importantes que l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et de l'IRCAM, Institut de Musique, mais je ne sais pas exactement ce que signifie l'acronyme. Puis il obtient le poste de professeur de philosophie à l'Université Technologique de Compiègne et devient... Un peu plus tard, ou simultanément, je ne me rappelle pas, directeur de l'IRI, au Centre Pompidou, c'est l'Institut de Recherche et de l'Innovation. Il fonde son association Ars Industrialis avec ses amis en 2005, et tout cela pour faire des débats publics avec d'autres penseurs engagés. Avec sa femme Caroline, la seule qui porte la seule femme, parce qu'il en a eu plusieurs, qui porte le nom Stiller. Elle est avocate. Ils fondent son université d'été dans le Cher, en pleine campagne,
dans un grand moulin des parents de Caroline, où il invite ses disciples du monde entier. À côté des séminaires avec des doctorants, ils fondent une école ouverte au public, non seulement en présentiel, mais aussi en ligne, qui s'appelle Pharmakon. Et c'est une école sur les philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote, qui sont préférés d'ailleurs, sans oublier, avec toutes ces activités-là, qu'il publie un livre par an, si ce n'est pas deux. Il est invité dans des universités du monde entier, au Japon, en Chine, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, à Londres, où nous l'avons d'ailleurs suivi et filmé pendant ses cours. Et il faut dire que pour faire des cours dans le monde entier, il a appris l'anglais en attendant. Une de ses dernières initiatives, des plus importantes, est la création d'un territoire apprenant contributif à Plaine Commune, en Saint-Denis. Un territoire où les taux d'immigration et de chômage sont les plus élevés. Il a travaillé avec l'élu de l'époque, Patrick Brahouzek, et avec des grandes entreprises comme Dassault Systèmes ou Orange, qu'il a essayé de convaincre d'une politique d'emploi différente. Le but était de mettre des jeunes habitants des quartiers délaissés au travail. Non pas un travail de lubérisation, mais pour un travail créatif, par exemple en architecture, où il devait s'impliquer dans la conception de construction de nouveaux quartiers. Bon, malheureusement, nous ne savons pas ce que cela est devenu après sa disparition prématurée. Toujours est-il que le projet mis en place continue d'exister, tout au moins en ce qui concerne la formation des jeunes. Une initiative dont Bernard Stiegler était très fier étaient les réunions avec des maires des quartiers débordés par les smartphones de leurs jeunes enfants qui étaient addicts complètement au point de devenir autistes. On leur apprenait comment gérer les situations avec des éducatrices et autres psychologues. Donc pour finir, je vais évoquer une des plus grandes préoccupations de Bernard Stiegler, c'est l'anthropocène. Que veut dire l'anthropocène? L'exploitation industrielle et exponentielle de notre planète par les hommes eux-mêmes, avec comme conséquence les catastrophes en cours et à venir. En janvier 2020, il a réuni, donc la même année de sa mort. En janvier 2020, il a réuni des intellectuels engagés comme le prix Nobel en littérature Le Clésio ou le juriste Alain Soupiot ou encore le mathématicien Giuseppe Longo pour aller avec son groupe à Genève interpeller publiquement Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour soutenir Greta Thunberg. Il a d'ailleurs changé le nom de son association Ars Industrialis, qui est devenue Association des Amis de la Génération Thunberg, trait d'union Ars Industrialis, ça fait AAGT, trait d'union AI. Pour finir, je vais quand même rappeler quelques-uns des principaux concepts de Bernard Stiegler. Mais ça, c'est déjà très pointu, on ne peut pas aller dans les détails. Mais par contre, si vous voulez discuter après ou débattre d'un de ces concepts qui sont nombreux, mais ceux qui m'ont imprégné le plus, c'est quand même l'économie contributive, le pharmakon, bien sûr, repris des Grecs, remède ou poison, la prolétarisation de nos savoir-faire et de nos savoir-vivre, et la déprolétarisation pour récupérer nos savoirs, vivre et faire. L'individuation comme antidote contre l'automatisation.
La recherche de vérité comme arme contre les fake news et contre la bêtise systémique. Il a écrit un gros livre sur la bêtise. Puis la capacitation, la mise en capacité des habitants de la cité et des territoires apprenants contributifs, sans parler de, alors là c'est plus compliqué, de l'entropie, un concept de la physique, et de l'anti-entropie, à savoir les concepts de la perte d'énergie jusqu'à l'effondrement, et ce que nous pouvons faire, l'anti-entropie précisément, ce que nous pouvons faire pour arrêter cette course au désastre écologique. Donc voilà, on peut passer à la vidéo et à la parole de Bernard Stiegler en personne. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenu philosophe ? C'est bien une expérience de la suspension, je dirais, dans un langage de chien. En 6 ans, j'ai été arrêté pour des vols à main armée, des attaques de banque. Et j'ai été condamné à 8 ans de prison. Je n'ai fait que 5 ans. Et pendant ces 5 années, pour des raisons au départ, multiples d'ailleurs, mais enfin quand même, avant tout, si je puis dire, des raisons sanitaires et thérapeutiques, je me suis voué vraiment au travail, quoi, au travail intellectuel. Parce que en prison, bien, on est capable de faire quelque chose de son temps. Ou bien on est détruit par le temps. Par le temps qui n'est plus du temps. Mes parents, mais aussi mon frère aîné, qui d'ailleurs a été bibliothécaire ensuite, m'ont vraiment donné le goût de la lecture. Ma mère en particulier, qui lit beaucoup. Qui lit toujours beaucoup d'ailleurs. Il faut aussi préciser que j'étais ami d'un philosophe qui était assez connu autrefois, qui s'appelle Gérard Granel, qui est décédé maintenant, qui était le patron du département de philosophie de l'Université de Toulouse, le Mirail, là où j'avais été arrêté, où j'habitais à cette époque-là. Et ce professeur de l'Université de Toulouse, qui était un grand historien de la philosophie, un philosophe, qui a joué un rôle assez important, m'a dit, dès que j'ai été arrêté, j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'aiderai. Et puis il a réussi à obtenir un droit de visite. Et assez rapidement, il m'a obtenu le droit de faire entrer des livres. Alors moi d'abord, j'avais des livres chez moi, parce que même si j'ai arrêté mes études très tôt, j'ai arrêté mes études en 68. À partir de 68, ma vie a changé, comme la vie de pas mal de gens d'ailleurs. Mais en même temps, j'avais vécu ces années d'avant 68 et d'après 68, dans une culture là aussi politique qui reposait sur l'idée, dans la génération qui était la mienne, que la politique ça passe par la pensée. Au début j'ai lu beaucoup de littérature, puis à un moment donné je me suis dit, parce que Granel me disait en plus, si tu peux te faire entrer des livres, tes livres en particulier, et aussi d'autres, je me suis dit, mais après tout, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à étudier ? Alors là, j'ai dévoré des tas de livres. D'abord plutôt des livres de linguistique, d'anthropologie, de choses comme ça. Et assez vite, des livres qui parlaient de linguistique, Derrida. Hein. Parce que Derrida a quand même été connu comme un des grands commentateurs de Saussure, dans la grande mythologie. Et Lévi-Strauss et tout ça. J'abattais, je lisais des quantités astronomiques de livres, mais j'avais une technique de lecture. C'est-à-dire que je lisais un livre au moins 3 fois. Une première fois de manière cursive, et en entourant les mots importants, ou en les soulignant, mais pas plus. Une deuxième fois, en commentant, en relisant, je relisais, pas forcément tout, et je commentais.
Et une troisième fois, je faisais une synthèse et une analyse du livre. Et j'ai là-haut dans mes archives des tas d'analyses de bouquins. Parce que, voilà, j'avais besoin de lire comme ça, hein, pour soutenir mon attention. Vous avez évoqué Jacques Derrida, mais vos maîtres à penser sont aussi Simondon, Laura Gourand, Martin Heidegger, tout au moins quand ils pensent la technique. Votre philosophie est d'ailleurs basée sur la technique et les nouvelles technologies numériques. Et en même temps, vous inspirez les acquis de la psychanalyse, celle de Freud et de Lacan. Vous parlez de pulsion, de surmoi, de sublimation dans vos livres. Donc, quel est le lien entre ces deux sources de pensée? Peut-être pas clairement, mais en tout cas, il me paraissait évident qu'avec Freud, il s'était passé quelque chose d'essentiel. Quelque chose avait été, une découverte avait été faite, fondamentale. Ce qu'on appelle la découverte de l'inconscient. En prison, je me suis remis à relire Freud de la même manière que j'ai lu Hegel, etc. Je l'ai lu comme un philosophe, Freud. Ce n'est pas un philosophe, on va dire. C'est un médecin, voilà. Mais je l'ai lu comme un médecin qui spécule beaucoup, qui théorise beaucoup. La base de mon travail, c'est de poser le problème de la technique, mais de la technique en tant qu'elle est avant tout un support de mémoire. Derrida, par ailleurs, dans ce livre qui est de la grammatologie, parle d'André Leroy Gourin, et donc j'ai lu Leroy Gourin. Et puis, voilà, Leroy Gourin développait cette théorie de la technique qui posait que la technique est en fait avant tout un phénomène d'extériorisation de la mémoire, constitution d'une troisième mémoire. Ça m'a paru absolument essentiel, et ça m'a paru essentiel en particulier parce que parallèlement à ça, je lisais beaucoup Platon et Aristote. J'ai une passion d'ailleurs pour Aristote. Je pense que Aristote est le philosophe qui m'a le plus influencé en réalité. Enfin, disons, qui est le plus important dans mon parcours personnel. Qui m'a occupé chez Platon, c'était la question de la mémoire. Et plus précisément de l'anamnèse. De l'anamnèse et de l'hypomnèse, c'est-à-dire les différentes formes de la mémoire. Et en particulier de la mémoire hypomnésique telle que Derrida en parle dans son commentaire de Phèdre de Platon, dans la pharmacie de Platon. C'est ça qui a fait que je me suis mis à travailler sur la question de la technique, c'est en partant de la question de la mémoire. Au départ, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mémoire. La technique ne m'intéresse pas en tant que telle, c'est venu parce qu'il m'est apparu évident avec le roi Gourand qu'on ne peut pas penser à la mémoire lui-même, indépendamment de la technique. Évidemment, dans ce registre-là, j'ai rencontré premièrement la question du désir chez Aristote, puisque le premier à poser la question du désir, c'est Aristote. Chez Aristote, elle est centrale, elle est la base, ce que diront d'ailleurs aussi bien Spinoza que Hegel, elle est la base même. C'est ça l'aristotélisme, c'est de penser le mouvement comme étant le mouvement des âmes, comme étant le mouvement du désir. Tout ça fait que j'ai lu Heidegger et qu'à travers Heidegger, j'ai fait, si je puis dire, l'expérience de la pensée de l'être pour la mort. La question de mort. Puisque finalement, dans Heidegger, le temps est pensé à partir de la mort, de l'être pour la mort. Et c'est ça qui est très important dans Heidegger, pour moi. Évidemment, là, Freud a pris une dimension absolument capitale parce que le fameux texte s'appelle « Au-delà du principe de plaisir » repense toute l'histoire du désir dans laquelle la pulsion de vie et la pulsion de mort deviennent fondamentales. Et depuis quelques années, je travaille avec Winnicott et d'autres psychiatres ou pédopsychiatres ou psychologues anglais, Bowlby maintenant, qui pour moi, en tout cas, Winnicott pose ses problèmes, mais à travers la psychanalyse des enfants et de l'objet transitionnel. Parce qu'en réalité, ce que Derrida appelle pharmacon, qui est toute technique est un pharmacon à mes yeux, je crois que c'était aussi le cas pour Jacques Derrida, je pose, c'est le sujet de mon dernier livre d'ailleurs, ça suffit que la vie vaut la peine d'être vécue,
repose sur cette idée qu'en fait, ce qui fait qu'un enfant peut élaborer son désir, produire son désir, le désir qui n'est pas du tout la pulsion, mais au contraire, le détournement du but de la pulsion, c'est ça le désir, ne le peut que dans la mesure où il partage avec sa mère, ou disons avec celle ou celui qui fait office de mère, c'est-à-dire celui qui s'en occupe, son éducateur, un objet transitionnel. En 2006, vous avez créé l'association Ars Industrialis. Pour quelle raison, en fait ? Est-ce un moyen pour vous de rétablir justement l'influence de la pensée philosophique en politique ? Alors en fait, Ars Industrialis, ça s'est fait presque par hasard. C'est pas du tout, d'ailleurs pratiquement rien de ce que j'ai fait, je n'ai voulu le faire de manière délibérée. J'ai fait pas mal de choses dans la vie, des bêtises, des choses moins bêtes que d'autres. J'ai dirigé des institutions comme l'INA, par exemple. J'ai eu pas mal d'activités comme ça, mais toutes ces choses ont été des fruits du hasard. Ce ne sont pas des choses que j'ai voulu. Je n'ai jamais cherché à faire ce que je faisais. C'est un peu le destin comme ça. Et puis, de temps en temps, je saisissais ce qui se présentait. Et c'est un peu la même chose avec Ars Industrialis. Autant il y avait eu deux choses très importantes qui s'étaient passées. Premièrement, Richard Durne avait assassiné une partie du conseil municipal dans un accès de meurtrier, de folie meurtrière. Et d'autre part, Jean-Marie Le Pen avait était passé devant Lionel Jospin au premier tour des élections présidentielles françaises. Et j'avais fait cette deuxième conférence à son universal dans ce contexte-là. Et j'avais dit, je et nous, c'est en fonction de Richard Durne et de ce qui vient se passer aux élections que maintenant il faut y réfléchir. Parce qu'il y a des jeux qui souffrent beaucoup, qui disent nous d'une manière également très douloureuse et peut-être un peu dangereuse. La façon dont j'ai parlé de Richard Durne et la manière dont j'ai parlé de mon histoire ne sont pas totalement étrangères. Richard Durne, c'est un passage à l'acte. J'ai écrit un livre qui s'appelle Passer à l'acte sur ma vie à moi. Et j'ai moi-même été, j'ai pas été un criminel, je n'ai tué personne, mais j'ai été jugé quand même par une cour d'assises. Et j'ai eu de la réclusion criminelle, parce que j'étais armé quand j'ai attaqué ces gens. J'ai beaucoup réfléchi sur le passage à l'acte. Mais j'y ai réfléchi aussi d'un point de vue philosophico-politique. Philosophique veut toujours dire pour moi politique, je ne sépare pas philosophie et politique. Pour moi la philosophie, c'est la pensée politique. Je me suis mis à m'intéresser beaucoup à la télévision, au marketing. La télévision, je connaissais déjà, j'avais dirigé l'INA pendant 5 ans, donc c'était un sujet, j'avais travaillé pour la télévision, mais là je m'y étais intéressé de plus en plus philosophiquement. Et j'avais fait un travail d'analyse un petit peu de l'histoire du marketing et aussi du destin de la consommation au début du 21e siècle. En particulier, j'étais tombé sur, premièrement, un texte de André Gors qui mentionnait l'histoire d'Edward Bernays, le neveu de Freud, qui est celui qui est en fait le géniteur des concepts du marketing, le premier concept du marketing. Là, je me suis mis à lire Max Weber. Je connaissais un petit peu, mais cette fois-ci, je me suis mis à le lire sérieusement. Et lire beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de textes sur l'histoire du capitalisme, du proto-capitalisme, etc. Et ça aboutit à un livre qui s'appelle « Mécréance et discrédit ». Et un jour, j'ai été invité à la chambre de Berlin. Et on m'a posé une question que l'on m'avait déjà posée au moins 10 ou 15 fois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de lutter contre tout ce que vous décrivez dans ce livre ? Et là, j'ai dit, écoutez, on pourrait créer une association. C'est comme ça que ça se fait. Et ensuite, je suis rentré à Paris et j'ai appelé mes amis et j'en ai parlé à Caroline, mon épouse, et on s'est réunis, je leur ai expliqué, je leur ai dit mais pourquoi on ne créerait pas une association. Et nous avons décidé de créer cette association. Alors, pourquoi est-ce que nous l'avons créée ? D'abord pour essayer de penser à plusieurs, et aussi pour une raison quand même assez précise, comme le dit son nom, hein, c'était une association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Nous partageons une analyse que j'avais avancée moi-même dans le colloque de Cerisy pour l'IRCAM,
c'est le colloque sur l'organisation du sensible, nous partagions une conviction, c'était que ce que disait Paul Valéry dans Regard sur le monde actuel en 1939 était exact, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une baisse de la valeur esprit qui est liée à une économie politique qui s'est emparée de la vie de l'esprit et qui dévalorise cette vie de l'esprit. Et notre but, c'était véritablement de créer un lieu de pensée. Un lieu de pensée au niveau d'exigence de ce que doit être la pensée, c'est-à-dire absolument rigoureux au sens des canons académiques, hein. Mais en même temps, un lieu de pensée qui soit en permanence en discussion avec la société, entre, en particulier à travers les adhérents à l'Arsenis Sinaïs. Arsenis Sinaïs étant une association composée de beaucoup de monde, de toutes sortes d'origines. Ça a bien marché, je crois, parce que ça a donné plusieurs livres, ça a donné de très nombreuses réunions, ça a donné de la notoriété, parce que Arsenis Sinaïs est maintenant effectivement connu très loin dans le monde, dans le monde entier. Et ça a évolué plus récemment vers quelque chose qui pourrait appeler ça de la recherche associative. Moi, je crois beaucoup à la nécessité d'inventer de nouvelles façons de faire de la recherche. J'appelle ça plus précisément de la recherche contributive. Et quand 2008 a eu lieu, tout à coup, nous sommes devenus une référence. Parce que tout ce que nous disions dans le manifeste de 2006, finalement, s'est réalisé en 2008. Tout, absolument tout. Alors, nous avons publié un nouveau manifeste en 2010, 2 ans après 2008, au mois de septembre 2010, où nous avons tiré le bilan de 5 ans d'activité d'Arsenis Sinaïs et de la crise de 2008. Et ce manifeste a beaucoup circulé, cette fois-ci, non pas dans le milieu du web et de cette opinion publique, en général plutôt de gauche, hein, qui nous était, je dirais, plutôt favorable, mais dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde universitaire. Je suis allé en Californie il y a un mois, j'ai visité 4 universités californiennes et une 5e université au Texas. Tout le monde connaissait ce manifeste. Et voilà, et d'ailleurs en Californie, on m'a présenté à l'université de Los Angeles en disant « Voilà, c'est le fondateur du groupe politique le plus important de France. » Et j'ai dit « Mais non, pas du tout, nous sommes une toute petite association. » Mais si vous voulez, ça a produit un certain effet quand même. À l'intérieur d'Ars Industrialis, il y a 3 ateliers de réflexion cette année, et l'année dernière d'ailleurs, les techniques de soi, les techniques relationnelles et l'économie de la contribution. Alors pourquoi ces 3 axes en particulier ont-ils, je suppose que oui, une visée de transformation en profondeur de la société actuelle? Et est-ce que vous voulez, à travers ces ateliers aussi, arriver à faire des propositions concrètes aux partis politiques en vue des élections présidentielles? D'ailleurs, pas seulement les ateliers, tout ce que nous faisons à Arsenis Sinaïs est orienté vers la volonté de faire des propositions. Nous ne satisfaisons pas d'une critique sociale, simplement, qu'il faut évidemment faire, hein, nous ne nous en privons pas, mais nous pensons que la critique sociale doit aujourd'hui conduire aussi à des propositions positives. Cela dit, ce ne sont pas les propositions que nous faisons aux partis politiques, ce sont les propositions que nous faisons à l'opinion publique pour qu'elle fasse pression sur les partis politiques. Nous ne voulons pas négocier quoi que ce soit avec les partis politiques. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de disséminer des idées dans la presse, à la radio, à la télévision, ailleurs, pour que l'opinion s'empare de ces idées. Ce que j'appelle l'opinion, pour moi, c'est tout ce qui fait que la société civile, lorsqu'on appelle la société civile, des gens qui jouent des rôles divers et variés, médecins, juristes, banquiers, instituteurs, femmes de ménage, directeurs du FMI, enfin tous ces gens-là font partie de la société, et bien qu'à un moment donné, ils aient une opinion. Sachant que l'opinion, ça vient de opinare, qui veut dire juger en latin. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'opinion. Un des très grands problèmes de notre société, c'est que l'opinion a été remplacée par l'audience. Parce que l'audience, c'est une marchandise que les médias de masse vendent à des annonceurs publicitaires, et l'audience est incompatible avec l'opinion. Le temps de cerveau disponible ne rend pas le cerveau disponible à juger
mais il le rend disponible à se soumettre à des modèles adaptatifs pour consommer telle marchandise ou, tel mode, ou adopter tel mode de vie. Nous avons créé le premier atelier sur les techniques de soins. Ces ateliers, nous les avons créés précisément parce que nous pensons qu'il ne suffit pas de faire des réunions publiques, etc. C'est très bien. Nous faisons des séminaires, c'est très bien, mais il faut aussi faire des groupes de travail où les gens discutent entre eux, travaillent vraiment avec la diversité de leur point de vue sur un sujet avec des conditions de travail précises, c'est-à-dire obligation d'étudier des textes, de vraiment discuter dans une démarche qui est une démarche de recherche, même si c'est une recherche qui n'est pas académique. Pourquoi est-ce que nous avons commencé par les techniques de soi ? Eh bien parce que nous posons, Ars Industrialis, que nous posons plusieurs choses. Premièrement, la philosophie, c'est d'abord une épiméléia, une techné tout bio, comme disaient les stoïciens, c'est-à-dire, et comme le commentait Michel Foucault, des techniques de soi. La philosophie, c'est d'abord un mode de vie. On en a une approche aujourd'hui théorique, on dit c'est une théorie du monde, etc., ce qui est vrai, bien sûr, mais c'est d'abord une façon de vivre. Socrate, qui est l'origine de la philosophie, il a une façon de vivre, et il est un exemple dans sa façon de vivre. C'est que la vie ne vaut le coup d'être vécue que pour autant qu'on en a un art de vivre. Art de vivre, ça se dit aussi technique de soi. Art, c'est techné. Donc la techné tout bio, c'est l'art de vivre. Et nous pensons que la crise de laquelle nous ne parvenons pas à sortir en ce moment est la crise du consumérisme. C'est la crise d'une société qui a détruit les arts de vivre, tous les savoir-vivre, et qu'il est très important de réapprendre à vivre. Bon. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec des techniques de soi dans le contexte de ce que nous appelons les hypomnémata d'aujourd'hui. Pourquoi les hypomnémata ? Parce que quand Foucault analyse la technique de soi du stoïcien, par exemple, il dit que ça se passe dans un contexte de l'écriture. Les hypomnémata, qui sont les livres de notes, les blocs-notes qui servent à écrire des journaux intimes, comme Richard Dürr dont on est d'ailleurs, ça sert des techniques de soi. Aujourd'hui, les gens qui font des blogs, les gens qui, comme nous, Ars Industrialis, créent des sites internet, ce sont aussi des techniques de soi, avec des nouvelles formes d'hypomnémata. Par contre, il faut apprendre à vivre dans un contexte de technologie industrielle qui est devenu extrêmement toxique et qui est, c'est possible. Nous avons aussi créé le groupe Économie de la Contribution parce qu'un des acquis très importants pour moi personnellement de Ars Industrialis, ça a été de dégager cette théorie de l'économie de la contribution. Ça, c'est né d'Ars Industrialis. C'est pas moi qui l'ai engendré, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les gens d'Ars Industrialis, qui a émergé au cours de nos travaux. Et ça a été un formidable acquis. Et je dirais que Ars Industrialis est connu aujourd'hui essentiellement comme l'endroit où on pense l'économie de la contribution. Et ça, c'est connu dans le monde entier. En Chine, les gens savent ça. En Californie également. Dans le groupe Économie de la Contribution, ce que nous posons, c'est que ce que nous appelons une technique de soi, ça s'appelle le soin. Hein. J'ai écrit « prendre soin », traduit en anglais « taking care ». Et il se trouve que Madame Aubry s'est mise à parler du « care bon. ». Mais nous n'en parlons pas tout à fait dans le même genre qu'elle, parce qu'elle se réfère à ce qu'on appelle l'éthique du « care ». Et nous pensons que la question du « care », ce n'est pas une simple question d'éthique. Nous pensons que c'est une question d'économie. Nous pensons qu'il faut repenser toute l'économie comme un système de soins. C'est pour ça que j'ai fait un séminaire qui s'appelle « Économiser signifie prendre soin ». Une vraie économie, c'est une économie qui prend soin du monde, qui ne gaspille pas, qui valorise les ressources, qui produit de la négantropie, c'est-à-dire plus d'intelligence, plus de raffinement, plus de force, plus de cohérence. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un stade du capitalisme qui produit de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, de l'incohérence, de l'atomisation, et pas loin, on n'est pas loin de la guerre civile, il faut être très clair, même de la guerre tout court. On est vraiment tout près de ça. Et nous pensons qu'en économie de la contribution, il y a des propositions effectivement très, très concrètes à faire, extrêmement concrètes. Sur, par exemple, la fiscalité. On peut élaborer une fiscalité de l'économie de la contribution qui encourage le travail personnel. Les techniques de soi, justement, pour qu'elles deviennent des façons d'inventer des modèles contributifs, par exemple. Et nous avons un troisième groupe qui est sur les technologies relationnelles, qui est animé par Christian Forêt, qui est
par ailleurs un ingénieur et un philosophe. Et là, nous travaillons sur les enjeux des technologies relationnelles, de tout ce à quoi sont apparentés ce qu'on appelle les réseaux sociaux, par exemple. Nous pensons que là est en train de se produire une transformation radicale de la relation sociale, que ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe parce que tout ça, c'est du pharmacone, c'est-à-dire que ça produit autant de toxicité que de cure, que de soins, mais que ça suppose, pour que ce ne soit pas une catastrophe, au contraire, bien fait, c'est possible, ça suppose qu'il y ait une politique. En 2010, vous avez fondé l'école de philosophie de Dépineuil, Le Fleurial. Ce cours philosophique est basé sur la philosophie grecque, celle de Socrate, Platon et Aristote, et destiné aux jeunes lycéens et aux gens de la région. Alors, voulez-vous enseigner la philosophie autrement ? Une des raisons, c'est que je crois qu'il faut effectivement réinventer la transmission du savoir, profondément. Je suis terriblement inquiet. D'ailleurs, il y a un groupe dont vous n'avez pas parlé, qui n'est pas un groupe de travail exactement, mais qui est quand même un groupe important qui travaille dans la Saint-Sérénis, qui est un groupe de Montaigne, Julien Gauthier et Scolet.fr sur l'école. Et nous publions un livre sur ce sujet bientôt. La première raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette école, c'est que nous pensons qu'il faut réinventer l'école, purement et simplement, ni plus ni moins que cela. Et que par ailleurs, il faut réinventer l'école en tant qu'une école, au départ c'est une école de... Enfin, l'école est née en Grèce, et en Grèce il y a ce qu'on appelle les écoles de philosophie. Qu'est-ce que sont les écoles de philosophie? Bien précisément, ce sont des lieux de technique de soi. Les écoles de philosophie se distinguent par des manières de vivre différentes. On ne vit pas de la même manière chez les stoïciens, chez les épicuriens, etc. Et les socratiques, ceux qu'on appelle les socratiques, c'est-à-dire les disciples de Socrate, il n'y a pas eu que Platon, il y en a eu beaucoup d'autres, ont créé des écoles différentes avec des modes de vie différents. Une troisième raison pour laquelle nous avons créé cette école, c'est parce qu'il y a maintenant 3 ans, je crois, nous avons fait une séance à Arsène sur la question des territoires. Et nous avons dit, dans cette séance au Théâtre de la Colline, que nous considérions qu'il devenait stratégique, fondamental, en politique, de se remettre à penser les territoires et la territorialisation. Et donc c'est pour eux que nous avons créé cela, tout en créant, parallèlement à ce cours de philosophie grecque, un séminaire de recherche doctorale qui se tient en même temps, parallèlement à ce cours, mais qui n'est pas public, lui, parce que le cours dont je suis en train de parler sur la philosophie grecque est public, tout le monde peut y accéder, soit sur place, il y a des gens qui viennent de loin pour y accéder, soit en ligne, puisqu'il est sur le site de pharmacone.fr. Le séminaire, lui, en revanche, il n'est suivi que par 12 étudiants, parce qu'il n'est pas, c'est un séminaire que j'appelle ésotérique, au sens où Platon parlait d'enseignement ésotérique. Je pense qu'une école de philosophie doit être articulée sur une activité philosophique. La activité philosophique, c'est une activité de recherche. Le philosophe, ça travaille, hein. Ça cherche à élargir le champ des concepts avec lesquels ça essaye de penser le monde. Ce travail-là ne peut être que collectif. C'est ce que disait Platon, ce que disait plutôt Aristote à Platon, lorsqu'il disait qu'il faut dialoguer. Ce n'est que dans le dialogue qu'on peut vraiment penser. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Socrate, la recherche est devenue multidisciplinaire. Il y a des géomètres, il y a des astronomes, il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a des géographes, il y a des économistes, il y a des démographes, il y a des linguistes. Il faut essayer de commencer à penser autrement et de manière transdisciplinaire. Et cette école doctorale que j'ai menée, que j'ai mise en œuvre, qui est une école de philosophie, en même temps s'intéresse à d'autres sujets que la philosophie. Elle passe par d'autres disciplines. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est en fait de créer une petite activité de recherche contributive. Si vous voulez, pour le dire autrement, je pense qu'une école de philosophie doit être articulée sur une activité philosophique. La activité philosophique, c'est une activité de recherche. Le philosophe, ça travaille, hein. Ça cherche à élargir le champ des concepts avec lesquels ça essaye de penser le monde. Au sein d'Ars Industrialis, nous pensons que l'évolution d'Ars Industrialis, c'est de devenir progressivement un lieu de recherche contributive.
et de recherche au sens rigoureux du terme. Nous ne voulons pas que l'art industrialiste devienne une université populaire. Nous voulons que ça devienne un lieu où on pense l'universel, donc de ce point de vue-là, un lieu universitaire, si vous voulez, parce que c'est ça que veut dire universitaire, quand même, au départ. Mais en se mettant, en essayant en tout cas de se mettre au niveau d'exigence de ce que sont les grandes universités. Pouvez-vous expliquer un peu ce que c'est, d'après vous, le pharmacon, la philosophie du pharmacon? Platon, dans ce récit, qui est un récit rapporté, dit que l'écriture est à la fois un poison et un remède. Un remède parce qu'elle permet d'élargir la mémoire, et notre mémoire d'être vivant est une mémoire finie. Et donc il se perd, y compris lorsque nous mourons, tout s'efface. Donc le fait de pouvoir garder la mémoire écrite, ça donne un sens. Ce qui nous permet de lire Platon, c'est l'écriture de la mémoire, par exemple. Et selon Socrate, l'écriture est devenue quelque chose qui empêche de penser, au lieu d'élargir les possibilités de penser. Pour moi, la technique en général est pharmacologique. Et je considère que l'être, ce qu'on appelle l'être humain, est en fait une forme de vie pharmacologique. Nous sommes condamnés au pharmacon, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas sortir du pharmacon. Et du coup, aujourd'hui, je considère que le rôle de la philosophie, c'est d'arriver à penser pharmacologiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de sortir du pharmacon, que jamais on n'arrivera à éliminer les poisons, mais en revanche, qu'il est possible de prescrire des usages du pharmacon pour faire en sorte qu'il ne soit pas soit le moins toxique possible, voire pas toxique du tout. Alors ça, c'est pas très loin de ce que disait Platon lorsqu'il parlait d'une médecine de l'âme, puisqu'un médecin, c'est quelqu'un qui vous apprend à utiliser les médicaments intelligemment, en tout cas un bon médecin. Il y en a de moins en moins. Mais il y a encore de bons médecins, et les bons médecins, ce sont ceux qui, comme vous le savez, ne prescrivent pas de médicaments, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Mais qui prescrivent des hygiènes. Et qu'est-ce qu'une hygiène? C'est une technique de soi. C'est-à-dire que c'est encore un pharmacon, la technique de soi. Si on réfléchit à Fukushima, à la conséquence d'un certain nombre de catastrophes qui ont eu lieu ces derniers temps, nous sommes dans une situation pharmacologique. Si vous lisez le grand discours de Paul Valéry au sortir de la Première Guerre mondiale, là où il dit tant d'horreur, c'est-à-dire tant de destruction guerrière n'aurait pas été possible sans tant de vertu, c'est-à-dire sans la science et la morale occidentale, eh bien vous êtes confronté à une question pharmacologique. Et en fait, aujourd'hui, le monde entier est en train de se dire, mais est-ce que tout ça, que nous croyons, nous pensions être quelque chose de bon, par exemple la physique nucléaire, etc., n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. En revanche, il est indispensable de repenser pharmacologiquement la science, la politique, l'économie, pour essayer de faire en sorte que, eh bien, parce que là la question c'est l'économie politique, l'exploitation de la physique nucléaire par les actionnaires de TEPCO ne conduise pas à la catastrophe de Fukushima et à d'autres catastrophes. C'est ça le sujet de la pharmacologie. Donc, qui souhaite engager le débat? On a une heure, hein. Une heure. C'est-à-dire, il manque cruellement, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il dirait, comme Castoriadis, comme Derrida, tous ceux qui m'ont accompagné dans ma vie. On manque de référence. Il manque cruellement. À notre époque. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Quand Castoriadis est mort, c'était pareil, Derrida, tous ceux qui effectivement nous égaraient sur ce qu'il vient de penser aujourd'hui et de faire aujourd'hui. Je me sens un peu orphelin. Si tu veux. D'ailleurs, qui le connaît parmi vous, à part Günther, Edith? J'ai suivi son séminaire. Ces trois dernières années, jusqu'à sa disparition. Mm-hmm. Alors, c'était quelqu'un, comment dire, c'est un philosophe ou un universitaire. C'est ancré dans le réel, quand on parlait d'une culture philosophique, qu'il fallait quand même. Mais si ce que j'appréciais, c'est que moi j'avais un tel retard au niveau des concepts, etc. Pendant quelques années avec lui, j'ai rattrapé 20 ou 30 ans de. J'ai pas des cultures, mais je dirais de préoccupations que je pouvais avoir. C'était un passeur, je dirais que c'était ça.
qui allait devenir aussi chez lui, c'est que c'était un théoricien, quelqu'un qui a publié. C'était quelqu'un qui proposait, qui essayait. Il était toujours dans une initiative en train de faire plein de communes, en train d'animer des séminaires, en train d'écrire des bouquins, d'intervenir à l'étranger. Et sa disparition m'a troublé parce que je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à passage à l'acte. Oui. De la même façon qu'il était passé à l'acte en braque en migrante, il est passé à l'acte en se lançant dans des études dans un milieu carcéral. Il y a eu un phénomène de passage à l'acte dans sa forme, je pense. Est-ce que quelque chose de ce qu'il a fait dans la cité vous a impressionné? J'ai ma fille qui suivait plein de communes à un moment, mais là, bon, elle a déménagé, donc elle ne suit pas. Mais depuis sa disparition, je ne sais pas, j'ai pas trop d'informations, parce que le Covid qui est arrivé, son suicide, ce qui fait qu'Ars Industrialis et son association, bon, il n'y a plus le suivi qui a eu pendant 3-4 ans. Quand j'ai pu avoir... Ça continue, en tout cas. Ça continue. Oui, oui. Il y a des formations. Ars Industrialis, le nouveau président, c'est Giuseppe Longo, qui est un mathématicien. Et il y a un certain nombre de jeunes qui ont rejoint donc l'association. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même dynamisme que dans les années 2010, 2012, enfin il y a 10 ans, quoi. Nous, on fait partie de l'association, on les a suivis longtemps. Mais bon, c'est plus du tout pareil, ça c'est sûr qu'il manque quelqu'un. Quoi. C'était le... Oui, c'était le meneur. Bon, il avait son caractère aussi, mais comme vous dites, il était toujours dans l'action quand c'était pour faire quelque chose. Quoi. Création d'écoles, pleine commune, c'était pour aider. En fait, les jeunes, parce que la pleine commune, c'est Saint-Denis, hein, et puis les 7 communes autour de Saint-Denis, où c'est là où il y a le plus fort taux de chômage des jeunes. Et donc, ils voulaient essayer d'apporter quelque chose pour lutter contre ça. Et bon, il y a eu des réussites, mais il y a eu aussi des échecs. Et des échecs qui ne sont pas forcément dus à lui, mais... Bon, chacun a son analyse. Hein. Il avait recruté un certain nombre de doctorants pour travailler avec lui sur le sujet. Mais bon, les doctorants, c'est des gens qui sortent pas du même milieu social que les jeunes qui sont dans la rue. Donc, est-ce qu'ils arrivaient à comprendre les besoins exacts? Bon, il y en a... Moi, ce que je vous dis, c'est pas moi qui juge, c'est en fonction... Moi, avec Brit, après sa disparition, on a mené une quinzaine d'interviews avec des gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont connu, de l'époque où il travaillait à l'université de technologie de Compiègne jusqu'à aujourd'hui. Alors bon... C'est pas simple hein, d'être seul. En fait, il était seul. Quoi. Il avançait. Enfin, il avait une équipe autour de lui, mais est-ce que ils avaient la carrure, enfin la motivation qu'avait Bernard Je sais pas. Ah, excuse-moi, mais peut-être ils n'avaient pas le même charisme. Mais ils sont en train de partout d'enseigner. D'enseigner d'une part, ils sont dans les universités en province. Et il y en a un, Jean-Hugues, il écrit un livre. Il a écrit un livre sur... Il fait sa première intervention sur le livre. Et je crois que c'est cette semaine à Jules Vallès, là, le centre laïque. Voilà, il fait sa première présentation. Si, il avait toujours ce projet de... C'est pas sur le livre sur Bernard Stiegler. C'est sur Bernard Stiegler et ses idées, tout à fait.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont... Là, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Dans ce qu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre le fait de... Parce qu'il dit qu'il y a une université qui est réservée aux spécialistes des universitaires, ouais. Et un autre côté, il dit qu'il ne veut pas faire une université populaire. Donc, ah oui, ça m'avait frappé aussi. Oui, est-ce que ce n'est pas cette tension-là qui... Il est très exigeant. Il est très, très exigeant. C'est quelqu'un qui veut... Comme il a travaillé en prison, hein, vous l'avez vu. Hein, donc, il est d'une exigence qui n'est pas... Par exemple, le café philo, ça ne lui plairait pas. Même la pratique philosophique avec les enfants, on l'a interviewé à propos de ça. Il ne croit pas que les enfants soient capables de ce raisonnement-là. Mais peut-être qu'il n'a pas bien compris non plus en quoi ça consistait. Il est d'une exigence absolument... foudroyante. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. Socrate est un autre genre, mais bon, oui, non, mais le dialogue, et c'était aussi un autre temps. Non, en fait, il avait créé en fait deux écoles, pharmacone, qui était ouverte à tout le monde, effectivement, où il a commencé à Épinay-le-Fleuriel, là où il habitait, et un séminaire avec des doctorants, mais des doctorants du monde entier. Il y avait des Australiens, des Américains, des Canadiens, des Anglais, etc. Et bon, ben là, il ne pouvait pas inviter tout le monde, parce que c'était un autre niveau quand même. Les gens débarquent dans son séminaire avec que des doctorants, ceux qui n'ont pas un certain niveau, ils ne peuvent pas suivre. Donc c'est pour ça qu'il a quand même séparé ces deux choses. C'est un peu normal, oui. Mais il a quand même été pour enseigner aux lycéens, oui, où il disait Brite. Oui, parce qu'il parle d'enseignement ésotérique, justement, réservé à ceux qui savent. À des initiés. À des initiés, oui. Les doctorants sont des initiés. Hein. Il faut des années d'études pour y arriver. Mais en même temps. J'ai oublié ce que je voulais dire. Il dit que, à propos de la critique sociale, quand je lui pose la question, il veut que tous les politiques se saisissent de ces propositions. Je posais la question. Pourquoi il a créé Ars Industrialis, le débat public, donc pourquoi il porte ses idées dans l'agora publique. C'est évident, Ars Industrialis était fait pour ça, pour porter le débat et faire des propositions aux politiques et à l'opinion publique. Et il dit justement la difficulté qu'aujourd'hui on a d'avoir une vraie opinion, il manque de temps, il manque de tout, et le formatage par la médiacratie et la télécratie. Voilà. Mais c'était quand même lui. Oui, Edith, vas-y. Edith. Moi, je voudrais dire de manière non négative, mais un peu critique, il y avait hier et il y a encore aujourd'hui des philosophes de ce type. Voilà. Je pense à hier, Derrida, avec le greffe. Je pense à Michel Foucault, avec les GIA et les GIP. Je pense à Michel Serres, avec les ateliers d'histoire des sciences. Je pense à Robert Jolin, ethnologue à Paris 7. Je pense à Michael Lovy, à l'EHESS et dans le monde entier. Je pense à Cynthia Fleury avec le CNAM. Je pense à Chantal Jacquet avec l'école de Freud. C'est-à-dire qu'en effet, je pense qu'il y a, j'en connais, et il y en a peut-être d'autres, moi je ne connais que cela dans mon souvenir, peut-être que j'en ai oublié d'ailleurs, que j'ai côtoyé,
avec lesquels j'ai un peu travaillé, un peu. Et il se situe dans la problématique de ce philosophe de l'action dans la cité, qui effectivement s'est toujours soucié, alors il raconte très bien, et tu l'as repris, Britt, très bien, il raconte comment sa vie personnelle l'a amené à ça, mais qui effectivement articule la recherche théorique, la recherche conceptuelle, ésotérique avec d'autres, à l'action dans la cité. Et ça, il y en a eu d'autres. D'ailleurs, il le dit, hein, il parle de Michel Foucault, de Derrida, etc. Il y en a aujourd'hui d'autres. Et qui ne sont pas forcément reconnus, Michel Serres n'a pas du tout été reconnu en France. Hein. Il a fallu, c'est aux États-Unis d'abord qu'il a été reconnu, Derrida c'est idem, c'est au Chili d'abord qu'il a été reconnu. Ouais. Bon. Et etc. Michel Lodi, n'en parlons pas, Jolin, les débats avec Lévi-Strauss, mais c'était incendiaire du point de vue académique. Bon. Bon, donc, c'est formidable de présenter ce Stigler, hein, pour introduire effectivement un café philo qui a pour intention, est-ce qu'il va le réaliser, je ne sais pas, mais qui a pour intention, pour objectif intentionnel, d'être un café pour savoir, et pas seulement pour savoir, savoir pour agir. C'est effectivement ce type de philosophie qui est la sienne. Et en ce sens, c'est pas de l'éducation populaire, c'est pas de l'université populaire. Mmh. Effectivement, il peut être, et le café philo, savoir pour agir, peut être à l'origine d'une université populaire, à l'origine de la réflexion philosophique de Stigler, de Jolin, de Lovi, de Chantal Jacquet, de Michel Foucault, de Derrida. C'était pas pour faire des universités populaires, mais ça peut déboucher sur des universités populaires, sur de l'éducation populaire. Bon, je pourrais donner un exemple concret sur les vies, etc. Bon, c'est-à-dire que c'est un type de philosophie, effectivement, c'est Socrate. Socrate, il n'avait pas comme idée, enfin, en tout cas, ce qu'on sait de Socrate, c'est qu'il n'avait pas comme idée de faire une université populaire. Non. Sauf que, à partir l'activité théorique de Socrate et des Socratiques, il y a eu des universités populaires, enfin des lieux d'universités populaires qui ont pu se développer. Donc voilà, je voulais dire ça. Et en ce sens, quand Gunther dit nous manque, il y en a d'autres. Et j'espère que nous. Elle, n'est-ce pas? En tout cas, on fera tout pour propager ce genre d'idées qui aboutissent ou qui débouchent sur une action ou une prise de conscience, tout au moins. Hein. Et quand il y a prise de conscience, il y a bifurcation. Auteur. Donc, deux choses sur sa vie. C'est qu'il a fait un café philo dans la prison à Lille. Et deuxièmement, ce que j'ai compris, il ne s'est pas suicidé.
il avait un programme. Je ne sais pas si vous étiez au séminaire au Quartier Latin, non, où il préparait justement, il était en pleine évolution, enthousiaste, et s'adressait à l'ONU pour Internation, il appelait ça Internation pour une autre façon d'internationalisme, pas un internationalisme abstrait. Il s'inspirait de mots enracinés, c'est-à-dire à la fois des territoires, des racines, mais des racines qui ne sont pas des racines qui figent et qui isolent, mais au contraire des rhizomes avec d'autres. Donc il ne s'est pas suicidé, c'est ce qu'on a dit, il avait une maladie chronique, oui, terrible. Il a dit à ses amis, si ça recommence, j'arrête. Oui, c'est donc ça. C'est une euthanasie, c'est pas un suicide. Sur lui, bien sûr, j'ai dit Castoriadis, etc. Il manque. Mais ce qui est Schlinger, il n'y a aucun philosophe que j'ai nommé qui soit adressé à l'ONU. C'est-à-dire lui, il s'est senti responsable. Exactement, du monde, exactement. Des prisonniers, exactement. Des catégories d'ennemis. C'était un ethnologue, oui. Un ethnologue qui. Oui, peut-être. Mais il ne s'est pas adressé à l'ONU pour changer. Mais personnellement, ce dont il m'a sauvé. Mais une intervention récente d'Aurélien Barraud, qu'il faut absolument regarder en replay sur France Inter, c'est j'étais technophobe, vraiment absolu, et avec le pharmacone, il m'a guéri de l'ethnophobie, mais je redeviens technophobe parce que je pense, et c'est là où c'est dommage que je dis hier, j'ai discuté avec lui, c'est l'industrialisation qui était la catastrophe. C'est à partir de l'industrialisation, et on ne peut pas changer cette industrialisation. Elle uniformise, comme dit Heidegger, il n'y a plus de choses, il n'y a que des objets, et même des êtres humains qui avaient des objets, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent, qui sont efficaces, et non pas des singularités. Donc, j'étais schlegelien, et ces séminaires, je ne sais pas si tu étais, mais c'était extraordinaire, parce qu'il y avait un savoir, à la fois la poésie, la philosophie, l'histoire, comme il dit d'ailleurs, c'était incroyable. En sortant, on a l'impression d'avoir monté, je ne sais pas, une somme de 2 mètres. Il avait une vision ensemble fascinante. C'est ça. Et sur l'industrialisation, je regrette que j'aurais pas pu le reparler, parce que lui, il y croyait à l'industrialisation. Une autre industrialisation. Une autre, voilà, c'est tout est là. Une autre industrialiste, parce que pour lui, la technologie est un pharmacon en soi. La technique et la technologie sont des pharmacones en soi, étant donné qu'ils ont deux faces. Si vous écoutez, normal. Je parie que vous soyez plus comme avant, parce que ce n'est pas un pharmacone, c'est vraiment un poison, l'industrialisation. Ce qui est bien chez Schlegler, c'est qu'il avait, par rapport à tous les penseurs auxquels on peut penser, il avait la préoccupation de l'urgence. C'est ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai discuté avec lui. L'urgence, oui, tout à fait. Tout à fait. Il dit, attention, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous en sortir. Oui, il parlait de la guerre nucléaire comme ce serait demain. Non, mais ouais. C'est le seul à l'avoir formalisé de cette façon. Michel Serres, il n'a jamais rien fait. Lui, il a écrit Petite Poussette, qui est un livre absolument constant. Il s'extasie parce que les gamins ont une dextérité du tout par rapport au portable. Mais, là, Oui. Ce qu'il y a, c'est que Michel Serres, il n'aimait pas Stiller. Oui, je sais, mais Stiller, il n'adorait pas. Ah, monsieur. Non, j'aimerais. Ouais. Ah, pardon. Ah, oui. J'aimerais juste poser une question. J'aimerais savoir allez-y. Comment il s'est positionné par rapport à Marx. Bah, il était marxien. Je ne sais pas comment on appelle ceux qui sont. De ce que j'ai entendu, alors j'ai pas beaucoup lu, mais de ce que je l'ai entendu dire, je l'ai pas justement entendu beaucoup s'exprimer. C'est-à-dire, déjà là, on a eu un petit aperçu. Il n'y a pas du tout la référence, et de tout ce que j'ai vu comme vidéo, entendu dire, il parle pas beaucoup de Marx. Donc c'est. Non, il est critique par rapport à tout, parce que le pharmacon, c'est sa théorie qu'il applique à tout, aussi bien à Marx et à d'autres. Et là, il a raison, parce que Marx, il n'a pas vraiment abouti. Enfin, sa théorie, sa grande science développée dans des livres, des tomes incroyables,
n'a pas abouti à des choses qui sont qu'on peut prendre comme modèle. Hein. Je vois un point commun par rapport à justement au statut de l'industrie. Mmh. Il y a un point commun avec Marx quand même, c'est-à-dire qu'il y a, oui, tout à fait. Un rejet total. Tout à fait. Ah oui, et, oui, mais c'est tout. Des courants modernes très critiques de la technique, l'industrie. Voilà, c'est ça. Il n'est pas dans ce... Il n'est pas dans le rejet, il est dans le pharmacon. Et pour Marx, ça s'applique à Marx également. Il y a un côté qui il est tout à fait dans son temps. Il est comme lui, c'est quelqu'un qui bouleverse le monde et qui prend conscience de ce qu'on fait avec les gosses mis au travail, avec les nouvelles technologies qui vont tout bouffer. Et il voit que le savoir-faire passe dans les machines. C'est ça surtout qu'il retient aussi de Marx. Et que nous devenons des machines. Nous sommes dépourvus de notre individuation. Ce qui lui tient à cœur, c'est l'individuation. C'est la personnalité de chacun, la singularité. Et c'est pratiquement impossible avec le Burnes qui déjà pendant les deux guerres mondiales était là pour formater non seulement les sciences militaires et les politiques, mais après tout le marketing. Donc nous sommes formatés par ça. Et c'est drôlement dur de lutter contre contre nos désirs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi Freud dans cette histoire. Hein. Freud, le désir, pour lui, le désir est formidable. Mais ce qui est mauvais, c'est les pulsions. Les pulsions que nous avons d'acheter le prochain smartphone, d'être dans le consumérisme. Je peux parler du consumérisme, et ça joue un grand, grand, grand rôle dans tous ces livres, surtout du début, et il nous montre à quel point nous sommes devenus manipulés par ça. Bruno. Oui. Max, vas-y. Moi, je préfère entendre une parole de profane. Je n'ai pas le sentiment de parler au nom d'une ignorance particulière, mais je suis quand même frappée, je ne connais pas bien le travail de Bernard Sievert. Qui manifestement est quelqu'un qui avait un très très grand charisme, un très grand pouvoir de séduction intellectuelle. Mais je suis quand même frappée d'entendre un discours terriblement abstrait, terriblement savant, qui emploie un vocabulaire qui est complexe, à tout le moins. Comme tous les philosophes, presque. Pour rejoindre l'observation que vous faisiez tout à l'heure, établit une sorte de hiatus, pour ne pas dire quelque chose d'encore plus profond, entre une pensée fondamentale, enfin la pensée à laquelle on se réfère fondamentalement, les anciens, Socrate, les grands anciens, les grands penseurs, et de l'autre côté, des ambitions de renouvellement du monde, de changement du monde, qui sont absolument considérables, globales. Entre les deux, il y a des expériences. On ne peut pas à la fois penser Socrate d'un côté, enfin on ne peut pas, à mon sens c'est un peu ce qu'il fait, parler de Socrate d'un côté, et puis de changer radicalement, refonder l'école, changer radicalement l'école. Il y a des expériences, il y a des choses qui sont faites. Et on peut parler de ça, s'appuyer là-dessus, proposer, critiquer, etc. Bon, vous évoquiez Jolin et bien d'autres. Moi, je parlerai par exemple en matière scolaire de la main à la pâte, sur laquelle je parle. Oui, on la connaît, celle-là. Qui a été aussi mise en œuvre par de très éminents penseurs, qui étaient des physiciens prix Nobel les uns et les autres, et qui ont, dans des écoles primaires, mis en œuvre des pédagogies qui avaient en tout cas une ambition, parce que pour l'instant c'est un petit peu fait, comme on l'a dit, de changer complètement le rapport au savoir, le rapport à la pensée, le rapport au raisonnement, le rapport à l'administration de la preuve, etc.
Oui, comme par hasard, on connaît cette association, La Main à la Pâte. J'ai beaucoup d'admiration pour cette association. Mais qui sait que ce qu'ils font, etc. L'ambition de Bernard Stiegler était de frapper à la porte des politiques pour avoir une audience. Et c'est pour ça qu'il travaillait avec Dassault, Orange, etc. Il a aussi créé une association de terrain qui avait pour ambition, pour objectif, de s'inscrire dans des zones de surcroît défavorisées où des problèmes concrets se posaient, auxquels il fallait apporter des réponses concrètes. Il ne s'agissait pas simplement de faire bouger les politiques et la pensée du monde, la pensée sur le monde. Oui, mais là... C'est bien la philosophie pour l'action, comme vous le soulignez, d'ailleurs. Mais là, il touche aux superstructures. Et ces associations-là, assez confidentielles quand même, il faut l'avouer, ne touchent pas aux superstructures. Lui, à chaque fois, il allait voir un ministre. Par exemple, Vincent Peillon, il est allé voir le ministre de l'Éducation. Il a beaucoup fait et beaucoup écrit des livres sur l'éducation, précisément. J'ai été chargée de mission pendant 20 ans pour La Main à la Pâte. Si vous voulez, à l'occasion, pour vous en parler, parce que les ministères et les ministres, ils ont été sacrément impliqués dans l'opération. Hein. Franchement, enfin. C'est vrai que les associations. Il y a eu des plans, des associations syndicales et autres sur l'éducation, des éducations alternatives. L'école émancipée. Oui, Montessori. Montessori. Et Jacques Lévin. Non, on fait un film là-dessus, justement. Ouais, en train de travailler sur des écoles alternatives. Alors, Bruno, qui depuis quelque temps déjà. Je repensais à ce que disait tout à l'heure, savoir pour agir. Il y a Bernard Foucault qui a étudié comment se crée un sujet politique. Et en fait, c'est assez décevant. C'est-à-dire un sujet politique, c'est pas une personne à qui on transmet un savoir, qui est au courant, qui a bien réfléchi et qui ensuite s'engage dans l'action. En fait, dans ce qu'il écrit, c'est qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a derrière une révolte, il y a des gens opprimés qui disent non, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, c'est en désordre. Et puis finalement, ils discutent, et puis au fur et à mesure, en chemin, émerge du neuf. Et puis le neuf fait qu'il se constitue comme sujet politique. Et en réalité, c'est plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire que la plupart du temps, par exemple, aujourd'hui, on est au courant sur plein de choses dans l'écologie. On est informé, etc., mais on ne passe pas à l'action. Il a étudié des prisonniers râlaient, ils voulaient des savonnettes dans les baignoires, ils voulaient des temps supérieurs, etc. Et en fait, en se réunissant au début, c'était du désordre, et finalement, émerger un truc après. Mais, ou le passage du paternalisme médical à l'autonomie des patients, par exemple. En fait, c'était les mouvements SIDA, les malades revendiqués, ils voulaient à tout prix avoir des informations sur les traitements, sur les trucs, etc. Et puis finalement, 10 ans après, apparaît une grande loi, la loi Kouchner, et puis l'autonomie arrive. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est un peu décevant, c'est qu'en fait, le sujet politique, c'est pas une personne qu'on éclaire, puis quand il a tout compris, il va. C'est plutôt des gens qui, sous l'effet de l'écrasement, se mettent en mouvement, racontent n'importe quoi dans un désordre, etc., disent non, et puis finalement, pour émerger du neuf, et finalement, c'est l'action qui précède l'émergence d'un nouveau savoir. Quoi. Et par exemple, si on prend les gilets jaunes, on prend le chemin, mais les gilets jaunes disent non, ils se réunissent sur les ronds-points, il y a des trucs qui apparaissent, il y a du désordre, il y a une convention citoyenne sur le climat, ils travaillent et émergent quelque chose. Donc ça veut dire que moi je trouve ça très très intéressant de un thème savoir pour agir. Mais par exemple, à l'hôpital, j'ai essayé de faire ça à un petit niveau. En fait, quand on essaie d'informer pour savoir, il y a très peu de personnes qui viennent, puis ça reste très théorique. Et en réalité, c'est beaucoup moins vite. Puis Foucault dit qu'en fait, dans l'histoire, si on prend le féminisme, les LGBT, en fait, ce sont des gens qui se disent non à un oppresseur et qui, dans l'action, en mouvement, font émerger un nouveau savoir. Donc, c'est pour dire qu'il y a une limite à la. Il y a une limite au fait de penser qu'on puisse filer la boussole à quelqu'un. Et puis, une fois qu'il a bien apprise, en fait, ce qui se passe, c'est que la boussole se crée en chemin dans la révolte. C'est plutôt des minorités. Oui, il faut une émotion. Ce sont des minorités d'intelligence qui font changer le paradigme. Mais le paradigme, il vient plutôt d'un désordre et d'un chaos qui d'un coup, est inversé. Donc, c'est Foucault qui explique ça dans la subjectivité. Comment il s'écrit celui-là? Non, il s'appelle Michel Foucault.
Ah, mais j'ai entendu coucou. J'ai fait quoi? Foucault, je connais. Les GIA et les GIP, c'est les groupes d'information asile et les groupes d'information prison, c'est ça? C'est un peu décevant, je pense. Ouais, c'est un peu décevant. Informer les gens, c'est pas comme ça se passe. Souvent, ça se passe dans l'autre sens. Et après, je fais un autre commentaire, mais j'ai trop parlé. La prochaine fois, je fais un commentaire. Un second commentaire plus tard. Vas-y. J'y vais, Non, si quelqu'un d'autre veut venir, mais personne ne lève la main, donc vas-y. Par rapport à la technique, je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, il y a eu toute une époque de dénonciation de la technique, par Heidegger, Jacques Ellul, Ivan Illich, on a dénoncé la technique parce qu'en fait, du bout de temps, elle est devenue surpuissante, elle peut détruire le monde, c'est les années 60, après Hiroshima, etc. Une grande dénonciation de la technique. Dans mon idée, je fais de Stigler, j'ai pas lu. Il y a ensuite des auteurs comme Simondon, oui, qui disent la technique, en fait, c'est pratiquement des êtres vivants, c'est presque des êtres vivants, ils sont reliés au milieu, à l'environnement, au milieu. Simondon a une vision beaucoup plus neutre de la technique, c'est-à-dire que c'est pour lui, c'est quelque chose qui est en interaction, etc. Et dans ma représentation, même si Stigler a sans doute parlé de pharmacone, comme vous le dites, etc., Stigler, moi, ce qui fondait son originalité, c'est qu'en fait il reprend le roi Gouran et il dit finalement la technique elle est constitutive et constituante de l'humain, c'est pratiquement on est des êtres qui sécrètent absolument la technique. On sécrète la technique, ça c'est très important, et il ne voit pas une dénonciation aussi forte qu'Heidegger, etc. D'autres disent la technique c'est très dangereux, aller à Hiroshima, etc. Et lui il dit en fait la technique c'est même pas un prolongement, c'est même pas un outil, c'est notre chair en fait, c'est absolument notre chair, croit comme ça, et on a un médium, c'est un milieu, la technique c'est comme un poisson qui est dans l'eau, etc. Donc pour moi, son cœur, pour moi il y a trois grandes philosophies de la technique, il y a peut-être d'autres, hein, mais il y a toute la dénonciation en disant la technique c'est très très méchant, et ce qui est vrai, quoi, hein, ça peut détruire le monde, etc. Et puis après, il y a un mec comme Simondon qui est très original, qui a un ovni, qui dit des choses merveilleuses sur la technique. Et puis il y a lui qui dit finalement, elle est constituante, elle est constitutive, c'est notre médium, c'est notre manière d'être au monde, c'est un milieu. Et donc il n'y fait pas qu'une dénonciation, quoi. C'est pas qu'une attaque en disant... Bien sûr, c'est le philosophe du numérique quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, il n'est pas technophobe du tout. Il sait très bien ce que ça apporte, la technologie. Et donc, là, je te remercie de cette pensée. C'est l'exosomatique. Lui, c'est constitutif de l'homme, effectivement. Et comme partout il est dit, on vient tout nu au monde. Contrairement à un bébé éléphant ou un bébé singe, tout ça, nous sommes dénudés de tout. Et nous sommes sans prothèses. Et nous devons nous créer nos prothèses. Et donc, les prothèses, c'est la technologie. Donc, c'est absolument obligatoire que nous devons apprendre et que nous devons nous servir de tout ça, tout ça. En plus, il appelle ça le défaut qu'il faut. Alors ça, c'est très ambigu. Alors ça, moi, j'ai mis des années pour comprendre. Le défaut qu'il faut, mais en fait, c'est relié aussi à sa vie. C'est-à-dire, un bébé, c'est déjà en défaut de quelque chose, puisqu'il n'est pas développé, il est dénudé de tout, et il en manque de il en demande de protection. Le défaut qu'il faut, c'est ça. Nous venons sans prothèse, nous venons sans aide, et nous sommes donc aussi relationnels, et forcément relationnels avec ceux qui nous prennent en charge et qui nous aident. Le défaut qu'il faut, par exemple, on peut l'appliquer à tous ceux qui ont un manque. Il y a eu des génies, je ne sais pas à qui il a pensé, mais par exemple, celui qui... il y a des génies qui sont dans des chaises roulantes. Vous voyez de qui je parle ? Hawkins, par exemple. Et ce n'est pas le seul. Il paraît qu'il y a des musiciens qui... un musicien qui était sourd et qui a fait je ne sais pas quoi, des chefs-d'œuvre, créé des chefs-d'œuvre. Et pareil pour tous ces gens. Et lui-même, en prison, c'est là sa conversion en fait.
en prison, il apprend la philosophie. Mais il apprend à la perfection. Je veux dire, il apprend pour... il s'investit complètement. Il investit sa vie là-dedans. Et voilà, c'est le défaut qui le fait bifurquer. Ça provoque des bifurcations. Et peut-être il pense aussi à la bifurcation quand les catastrophes vont venir, là, de plus en plus de catastrophes avec l'écologie. Ben, nous allons bifurquer, mais par la force des choses. Parce que nous le rejetons de, comme ça, ne voulant pas y penser. Mais c'est très, très complexe, hein, cette pensée. Elle n'est pas comme ça, unilatérale, et, marxiste ou pas marxiste, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, il y a une partie à prendre et une autre à rejeter, ou à critiquer, tout simplement, à critiquer. Parce que nous avons aussi nos expériences dans l'histoire. Avec Marx, il n'a pas vécu hein, ce que c'était le stalinisme. Donc, et pour tout est comme ça. Hein. Donc, une pensée complexe, mais qui n'empêche pas l'engagement. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Hein. Cet engagement pour pouvoir, ici et maintenant, produire des choses et changer les choses. Et si on pouvait tous être comme ça, actuellement, nous avons besoin de ce genre de création ou de créativité au lieu d'être passif et nous laisser guider par les autres. Alors, c'est juste pour rebondir ce que vous venez de dire là, sur le fait de ne pas penser. J'ai vu une intervention de Bernard Sibière, c'était il y a une douzaine d'années à peu près, il est intervenu sur la prolétarisation. Oui. C'est pour répondre un peu à l'individualisation et à ce concept de la prolétarisation. Lors d'une conférence de club informatique des grandes écoles françaises, il était intervenu là-dessus. Et bon, je suis pas spécialiste, je vais déformer sa pensée, mais en fait, il intervenait sur le fait de qu'on devenait un peu des OS. Et que ce qui, avant, un ouvrier savait faire son pain, cultiver, tout ça, il savait faire un tas de choses. Et avant de devenir OS, voilà. Et ce principe de OCCiser, je ne sais pas comment dire, mais il appelle ça prolétariser, ça se développe à tous les niveaux de la société, à tous absolument. Les échelons. Absolument. Et que, justement, pour ingénieur compris. On devient monotache et on ne sait plus penser, réfléchir parce qu'on est consacré à une seule tâche. L'automatisation. Ce qui emprisonne, oui, c'est-à-dire le film de Charlie Chaplin hein, le montre très très bien. C'est pas que les ouvriers. Quoi. Justement, et aujourd'hui, il dit que. Absolument, absolument. Maintenant, c'est l'ingénieur, c'est le cadre supérieur qui est aussi automatisé. Dû aux algorithmes. Aux algorithmes. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par les algorithmes, les chiffres. Oui, mais avant les algorithmes. La technologie, c'est un phénomène, bien sûr. Mais est-ce que tout le monde est conscient que nous sommes dépourvus de nos savoir-faire, de nos savoir-vivre? Il dit même savoir cuisiner, c'est quelque chose qui doit être récupéré, qui doit être... je veux dire, sinon, qu'est-ce que nous avalons comme pesticides dans nos aliments hein? Alors, si on en a conscience, peut-être pas en intellectualisant, mais intuitivement, oui. Intuitivement. Sens, quand on fait quelque chose de manière absurde, et que c'est des pertes de sens, et qui se retrouvent à tous les niveaux, donc sans mettre forcément les mots dessus. Sauf, il avait beaucoup de foi dans les jeunes générations, puisque vous évoquez la perte de sens, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont en quête de sens, et qui s'investissent dans le bio, dans l'agriculture, l'agroécologie, etc., etc. Il avait beaucoup confiance dans ces jeunes générations, puisqu'il était entouré de jeunes quand même, hein, de plus jeunes que lui en général. Et on peut avoir espoir. Parce que nous sommes obligés de changer, sinon nous disparaissons. Ça, c'est obligé, hein. Ce qui est inimaginable n'est pas impossible. Vous me dites. Oui, bien sûr. Vous me dites, si on ne change pas, on va disparaître.
Mais peu de gens ont conscience de ça. Je sais, oui. Peu de gens, parce que bien sûr, ils sont là pour la donner. Dans ce site, ce mode de vie. D'abord les hommes politiques, ensuite tous les lobbies qui alimentent cela, et même dans la population. Parce que par exemple, il y a ce qu'on appelle la mémétique. C'est-à-dire, un dominant fait quelque chose, tous les dominés suivent. Par exemple, le dominant a une grosse voiture. Ils achètent tous des grosses voitures. Alors qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de place pour se garer. Non, parce que non, mais pourquoi ils le font? Il y a quand même aussi le formatage par la publicité. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Quelqu'un leur dit qu'il faut faire ça, ils le font. Non, c'est les pulsions. C'est les pulsions. Ce n'est pas les vrais désirs. Le désir, par exemple, je dirais, comme exemple, c'est la quête de sens. Un désir profond de changer de modèle. Et une pulsion, c'est juste être addictif au smartphone, à la voiture, à tout ce qui brille, quoi. Oui, mais il y a plus de consumérisme. Gens qui sont addictifs à tout. Ah, il y a plus. Forcément, le formatage est fait pour ça. C'est une politique. Il faut devenir conscient que c'est une politique voulue pour faire vendre le plus de marchandises possible. Le problème aussi, c'est que les parents ne rentrent pas dans ce cadre de pensée. C'est ce qu'on appelle la trahison des parents. Oui, tout à fait. Ils ne s'occupent pas des enfants, ils ne font pas faire leurs devoirs. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils leur donnent un mauvais exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, j'ai vu le film sur Greta, vous savez. Greta, oui, on l'a vu, oui. Et alors, donc, elle dit, pour faire court, elle va voir tous les hommes politiques, que ce soit les Sud de France ou les Américains, etc. Elle va même à l'ONU. Et elle se dit, ils n'écoutent pas, ils sont moqués éperdument. Et en discutant avec eux, elle se rend compte qu'ils ne savent rien sur le changement climatique. Exactement. Par exemple, exactement. Elle leur parle de l'albédo. Vous savez, l'albédo, c'est la réflexion sur la Lune, etc. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, bon, ils disent comme ça, bonjour, etc. Ils parlent à la télévision pour montrer quand même qu'ils s'intéressent à ça, mais ils s'en moquent éperdument. Mais ils s'en moquent parce qu'ils ne sont pas informés. Il y a quand même la désinformation qui court. Oui, hein. Ben, ils sont pas achetés aussi. Oui. Ils sont achetés, oui. Je vais vous donner un exemple. Donc, depuis quelque temps, j'anime des ateliers philo dans des lycées professionnels. Et donc, récemment, j'ai fait une animation sur le changement climatique. Donc, où je leur ai présenté un petit peu, expliquer, comprendre le changement climatique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, l'effet de serre, les gaz, les puits de carbone, le bilan carbone, etc., etc., les énergies renouvelables et tout, et tout, et tout. Eh ben, je peux vous garantir que j'étais très surpris sur 15 élèves, des BTS en plus, donc qui avaient 18, 19 ans. Ben, ils ne connaissaient pratiquement rien. Donc ça veut dire que ces jeunes, même à l'école, ils ne s'intéressent pas aux informations, donc ils ne regardent pas la télé, ils n'écoutent pas la radio. La seule chose qu'ils font, c'est les réseaux sociaux. Ben, la seule. J'exagère peut-être. Et la majorité passe leur temps sur les réseaux sociaux à raconter leurs histoires de vie, à se mettre en avant, etc. Mais non, le changement climatique, des jeunes de 18-20 ans n'avaient pratiquement aucune notion, ne savaient pas ce que c'était que le GIEC, par exemple. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un organisme que tout le monde devrait avoir entendu parler. Ben non, j'aurais dit, vous connaissez le GIEC? Oui, non, mais voilà les grandes déceptions. Déception de... Vraiment, il y a à faire, quoi. Il y a à faire. Ouais. C'est la faute de l'école. On dit que c'était la culture la base de tout. La culture, ben, ça commence à l'école maternelle aussi. Hein. Mais bon, c'est pareil, les enseignants, ils ne peuvent pas tout faire non plus. C'est pas des métiers faciles. Là, on a pu en faire les connaissances il n'y a pas longtemps. Je n'imaginais pas d'ailleurs que ça puisse être aussi compliqué que ça. Et donc, bah, les parents, c'est pareil, les parents, ils n'ont pas le temps. La première préoccupation, c'est de pouvoir manger à la fin du mois. Donc, le reste, si on leur demande de faire attention à l'électricité, à l'eau, etc., moi j'ai autre chose à penser, il faut que je m'occupe. Je trouve de l'argent pour nourrir mes enfants ou me nourrir moi.
Donc, on est dans une période... C'est un problème de formation des élites, parce que... Formation de... Des élites. Bah, les politiques, ouais, surtout. Les politiques, ils font rien à l'école, hein, pour changer l'école. Les techniciens, moi, j'ai quelqu'un de la famille qui suit un cycle en chambre d'agriculture. Sur 2 ans, il a eu une après-midi sur le bio. Ah ouais, bah vous avez vu qu'à AgroParisTech, là, il y a des élèves qui se sont rebellés. Ah oui. Donc, mais ça, il y en a. Mais c'est malheureusement pas la majorité, quoi. Non, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que Bruno voudrait intervenir. Nous, on est là pour essayer de faire passer des messages et puis de... Mais bon, c'est pas évident. Bruno, alors ? En fait, on est en train de changer de paradigme. On est même en train de changer de métaphysique, probablement. C'est-à-dire qu'on avait une métaphysique de la modernité, stabilisée, nature-culture, féminin, masculin. On avait une métaphysique et on la connaît très très bien. Et donc, on voit très facilement les dérives, les dangers de tout ce que l'ancien monde avait. Par contre, il y a un exercice plus original à faire, plutôt que de regarder tout ce qui ne va pas, c'est d'essayer de repérer qu'on change de métaphysique, qu'on change de paradigme, et de voir tout le neuf qui apparaît. Le neuf qui apparaît, bravo, est pas nommé parce qu'on n'a pas les lunettes pour le voir. Mais en fait, je pense que ça tourne beaucoup plus que ce qu'on pense dans les interstices. Et qu'il y a beaucoup plus de figures émergentes qui sont en train de pousser partout. Bon, moi, je pense que un jour, c'est intéressant de passer une semaine pour faire la liste de tout ce qu'on n'a pas nommé et qui est noir. Par exemple, les gens de AgroParisTech, par exemple. Voilà. Il y a des figures atypiques qui arrivent partout. Ouais. Forcément, ce n'est pas la majorité à 90% qui va d'un coup changer, mais il y a quelque chose de très vivant qui apparaît. Et dans les plis du réel, le nouveau paradigme est là. Et moi, j'ai plus d'espoir que le côté quantitatif de faire la somme de tout ce qui ne va pas, parce que ça, on est très habitué à l'exister. Par contre, arriver à nommer tout ce qui... Je sais pas, les transgenres, etc. Ce sont peut-être des nouvelles figures qui cassent les dichotomies nature-culture, masculin-féminin. Il y a beaucoup de fluidité, de multiplicité qui apparaissent. Mm-hmm. Et je pense qu'il y aurait un travail original qui consisterait à... je sais pas, la désobéissance civile, par exemple, c'est quelque chose qui monte en flèche. C'est probablement qu'on... Absolument. Et donc, en fait, je pense que si on fait une analyse du monde qui vient, en fait, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit, parce qu'on a nos lunettes qui voyons très bien ce qui déconne. Là, on est très fort pour parler. Oui. Oui, il faut qu'on sorte du mur de lamentation. Mais, quoi. Même le numérique, etc. Je comprends très bien ce qu'on dit. Hein. C'est des excès, les dérives, etc. Mais il y a des nouvelles formes de choses. Et probablement, même à nos âges, à mon âge, on va dire, 58 ans, on est moins en contact avec ce qui se passe et on perçoit moins. Donc on fait la gueule sur ce qui ne va pas. Mm-hmm. Mais on n'a peut-être pas le travail de recherche suffisant pour pour nommer tout ce qui apparaît. Quoi. Ouais, mais, non, mais il faut effectivement davantage regarder ce qui émerge. Et ça, c'est très important. On ne sait pas le nommer. Quoi, mais ça se voit un peu. Aux États-Unis, il y a 20 millions de personnes qui ont missionné, je crois. Ouais. Ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître. Et depuis 2015, ça monte. Avec le Covid, ça monte. Regardez la discussion qu'on a ici. Elle n'aurait pas eu lieu il y a 3 ans. Là, on parle de biologie, etc. Il y a 3 ans, ça n'aurait pas été les mêmes propos. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose de souterrain qui circule. Qui évolue forcément. Ouais, lentement, trop tard peut-être, mais... Madame, vous voulez intervenir. C'était vraiment tout à fait presque anecdotique, j'allais dire, malheureusement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je voulais juste ajouter une pierre à ce que vous disiez, parce que je trouve ça assez... frappant que des jeunes ne soient pas sensibles à ce qui les concerne vraiment au premier chef. Ah oui. C'est leur vie, leur futur à très très court terme, on sait dorénavant. Je voulais juste signaler que je me souviens plus du pourcentage exact, mais il est malheureusement affreusement consternant de jeunes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'existence de la Shoah. Ah oui. Non. C'est pas enseigné. Je croyais que c'était enseigné quand même en France. Alors évidemment c'est plus loin à tout point de vue. Ça ne les concerne pas directement au sens où le changement climatique les touche dans leur chair.
immédiatement, mais en même temps. Bon, non, mais moi j'ai toujours dit que malheureusement, tant qu'il n'y aura pas une catastrophe qui nous affectera personnellement, tant que ça se passe à l'étranger, loin. Attends, la Shoah, ça, c'est dans le programme scolaire, non? Je pense. Non? Je ne sais pas. Moi, de mon temps, ah bon? C'était pas dans les programmes scolaires? Ah, ben j'en reviens pas. Mais maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de désobéissance civile. Bon, il y a des jeunes, Extinction Rébellion, par exemple. On a participé à. On les connaît bien, Extinction Rébellion, mais le problème, c'est que ce ne sont que des jeunes d'un certain niveau, d'un certain niveau intellectuel. C'est des ingénieurs, des doctorants, des étudiants, et tous d'un certain niveau intellectuel. Et il n'y a pas de jeunes lycéens dans des associations comme ça, par exemple. Et là, c'est pareil, c'est un défaut de notre société qui n'informe pas. Ils n'ont pas intérêt à informer sur les catastrophes qui nous portent données. Parce que ça change tout leur programme économique. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas en sortir. Hein. Monsieur, peut-être, mais je pense que vous sous-estimez la part des gens qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas vivre. Ah oui, aussi, oui. Ça s'ajoute. La police a écrit. La servitude volontaire. Ah oui, ça. Mais bon, on ne va pas se contenter de ça. Hein. Il y a actuellement, on peut se réjouir quand même, comme dit Günther, je ne sais pas qui a dit bon, il y a de plus en plus d'exemples de désobéissance civile. Il y a quand même de plus en plus. Un mouvement MeToo, ben, il y a longtemps qu'il aurait dû avoir lieu, mais il a lieu maintenant. Donc, il y a. À un moment donné, même si c'est après coup et beaucoup trop tard, mais bon, on se réveille. Voilà. Il faut être avant-gardiste. Mais vous, les complotistes aussi font de la désobéissance civile. Ah non, je ne veux pas les assimiler. Hein. Alors là, merci. Hein. Les complotistes, merci. Non, ils en font, c'est objectif. Donc on peut dire, bah, c'est pas bien, c'est pas mal, et voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas non, quand même, il faut quand même distinguer ce qui est l'extrême droite et autre. C'est quand même tout l'intérêt justement de réfléchir à ce que c'est que par exemple, la désobéissance civile. C'est pas simplement un truc qu'on peut grandir comme ça, comme une valeur. Ah ben bien sûr. Mais à réfléchir. Parce je veux bon. Dire, ceux qui ont un minimum de connaissances savent de quoi ils parlent. Un résistant, c'est un désobéissant civil, n'est-ce pas? Un résistant et quelqu'un d'autre qui est près de l'extrême droite, il me semble que non. C'est pas la même chose. D'où l'intérêt quand même de mêler politique et philosophie. Hein. Ils ont quand même désobéi pour ne pas être vaccinés et en mettant des propos, des justifications pour derrière. Bon, ben... c'est pas pour ça que je suis anti-vax ou quoi que ce soit. C'est juste. Il est 21h. Il est 21h. Attends, tu rentres comment là-bas chez toi? Non, je prends un pot avec. Ah, parce qu'on pouvait t'emmener. Hein. On va à Ivry avec qui? Sur le Capitole, c'est pas. Merci. Hein. Bruno, alors. Ah, tu t'en vas aussi. On refait le monde tous les deux. Ah, d'accord. Merci pour votre présence. En fait, merci. Bien, bah écoutez, il est 21h en tout cas. Oui. Ah, pardon. Ah, bravo. Pas du tout, je suis issue du milieu juridique. Ça m'a toujours intéressé, je suis issue du milieu juridique. D'accord. En fait, ça m'intéresse de voir que vous y êtes. Une première fois, j'essaie de rentrer dedans, m'expliquer que non, on ne pouvait raisonner en philosophie que sur une seule logique et un seul. Formatage entre guillemets, on ne pouvait parler qu'à travers les paroles des autres, on ne pouvait pas avoir quelque part. C'est un petit peu. Non, mais c'était complètement. C'est pas un truc académique. Hein. Et j'étais très très déçue. Et disons que ce soir, ça me réconforte. Déjà, madame, le fait que vous soyez du milieu plutôt politique, je trouve ça très très intéressant. Parce que pour moi, quelque part, les philosophes, c'était les politiques d'avant, les personnes qui pensaient la société. Ouais.
et serrée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans des études politiques, la philosophie soit pas... Il ne devrait pas y avoir de dichotomie entre les deux, parce qu'ils sont censés penser notre société de tout point de vue, et je pense que ça serait vraiment intéressant. Ensuite, par rapport à ce que j'ai entendu, si je peux me permettre, les jeunes, je trouve au contraire que les nouvelles générations, moi je suis la génération après mai 68, on a été pollués. On a eu deux modèles, on n'a pas su quoi en faire, on n'a rien fait. Et la génération d'en dessous, par contre, tout ce qui est génération X, Y et Z, se sont rebellés par rapport au système. Ils ont dit on ne veut plus ça. Mais ils ont réussi, même en sortant, alors c'est peut-être des milieux peut-être plus éduqués, mais en sortant de grandes écoles, avant, ils convoquaient deux candidats. Là, ils sont obligés d'amener des amphis parce qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus rentrer dans le système. Et au contraire, moi, j'ai l'impression que la force vive vient vraiment des jeunes générations. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, mais je trouve qu'il y a des forces vives comme il n'y en a pas eu. Absolument, absolument. Les jeunes se rapprochent. J'y crois. Et c'est fort, je trouve, qu'ils arrivent à aller contre les politiques en disant « Mais ça, on ne veut plus, c'est notre monde. » J'y crois, oui. Bernard Sigler y croyait. Former les lycéens, aller former le Sénat ou aller former les députés, ça serait peut-être quelque part plus utile, entre guillemets. Mais voilà, moi je suis vraiment heureuse parce que pour moi, je vois la philosophie comme un énorme bloc, je m'y intéresse, j'entends beaucoup de choses et je me dis, je ne peux pas me lire tous les auteurs non. pour réussir à rentrer là-dedans. Mais en même temps, ce sont des questions qui m'intéressent, alors plus d'un point de vue peut-être juridique, politique, mais je trouve ça très intéressant aussi. Et le fait qu'il associe plein de compétences différentes, de milieux complètement différents, parce que c'est des questions centrales qui concernent tout le monde. Chacun a une vision de par sa spécialité qui peut apporter quelque chose. C'est ça. Et je trouve, c'est ce que je trouve vraiment très très intéressant. Et moi, je suis ravie au final de tout cela, parce que je pensais que pour moi, la philosophie, c'était perdu et que c'était inaccessible. Et le fait de voir ça, je me dis que finalement, peut-être pas. Et voilà, je trouve ça très, très intéressant. Nous sommes heureux de votre commentaire, franchement. Merci beaucoup. Ce que je fais, c'est penser le monde d'aujourd'hui. Oui, pour nous, c'est ça. C'est penser le monde, penser la vie. Ici et maintenant, et s'impliquer. Et s'impliquer, sinon, à quoi ça sert? Sinon, à quoi ça sert? Tout ce savoir, toutes ces connaissances. Non, les connaissances, ils sont applicables. Je veux dire, le mode de vie, par exemple, Edith va parler. Oui, je voulais vous annoncer aussi le programme pour le futur. Edith, la prochaine fois, elle va parler de Épicure. Épicure, c'est un grec, et donc dans l'Antiquité grecque, mais il a déjà pensé l'écologie. Donc, elle va parler de l'écologie d'Épicure, du mode de vie et tout ça. Ça rejoint Bernard Sigler qui est dans le présent, mais le mode de vie, comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'art de vivre, ça l'intéressait. Et le troisième, c'est Hans Jonas. Hans Jonas est un philosophe allemand qui est un des premiers, c'est des précurseurs de l'écologie. Et il a évoqué, enfin non, il a écrit un livre. Un opus sur la responsabilité, le principe de la responsabilité, un livre entier là-dessus. Et ça, c'est déjà dans les années 50, quelque chose comme ça, après-guerre. Hein. Je veux dire, il y a des esprits comme ça qui n'ont pas été écoutés. C'est aussi la philosophie perdue. Il faut savoir tout ce qui est passé ou balayé sous le tapis qui n'est pas... dans la pensée dominante, justement. Donc, je vous remercie pour votre participation.